Salut, je m'appelle Yang Akseon, je suis champion olympique et universitaire de saut de cheval. Bienvenue dans Campus Sport Magazine et aux prochaines universiades d'été de Gwangju. Yang Akseon est né à Gwangju il y a 23 ans. Ce gymnaste sud-coréen est encore très attaché à sa ville et sera bien au rendez-vous des universiades où il défendra son titre de champion au saut de cheval. Avant le début des festivités le 3 juillet, il a tenu à adresser un message aux futurs participants. Je pense que ces universiades de Gwangju seront très intéressantes. Il y a plusieurs manières de découvrir la ville de Gwangju. J'aimerais que les athlètes ne se concentrent pas que sur la compétition, mais qu'ils prennent aussi le temps de visiter et d'explorer la ville. Au sommaire de ce nouveau numéro de Campus, le grand retour de Thomas van der Platsen aux Universiades. Vous retrouverez également Yan Akseon, Sergei Lebid et le légendaire Sandor Taric. Sans oublier le portrait de Nawal El Moutawakel, vice-présidente du CIO. Athlètes venus de 170 pays se retrouveront donc début juillet pour les 28e Universiades d'été à Gwangju. Au programme de cette quinzaine, 21 disciplines qui se dérouleront sur 69 sites, dont 4 ont été construites pour l'occasion. Le directeur de l'événement, Mark Van Den Plas, semble plutôt confiant. Ces Jeux universitaires devraient connaître un grand succès, même s'ils ne seront pas aussi grands qu'à Kazan ou à Shenzhen, parce qu'il y avait plus de sport. Je veux juste vous rappeler que les Universiades restent le deuxième plus grand événement multisport au monde. Donc ce sera un très très gros événement. Gwangju est la troisième ville sud-coréenne à accueillir les Universiades. Les organisateurs ont fait leur maximum pour proposer un confort optimal aux athlètes tout en respectant l'environnement. Objectif principal, permettre au sport de véhiculer des valeurs fondamentales et contribuer au développement de l'humanité. Thomas van der Platsen, 24 ans, belge et décathlonien chevronné. Médaillé d'or aux dernières Universiades à Kazan, le jeune athlète a décroché le bronze lors des championnats du monde indoor l'année suivante. S'il a déjà connu le succès à plusieurs reprises, Thomas n'arrive pas en terrain conquis. Il est conscient qu'il a du pain sur la planche. Je suis plutôt bien, compte tenu de là où je viens. Mais on ne peut pas dire que j'ai encore retrouvé le niveau de l'ancien Thomas. Mais je m'en rapproche chaque semaine. Donc je suis content d'être de retour, avec un objectif en ligne de mire. Mais je suis réaliste et je sais très bien que je n'ai pas encore retrouvé le sommet de ma forme. Avec Gwangju, le timing est parfait. C'était un défi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour se préparer. Mais j'avais aussi très envie de défendre mon titre. C'est la dernière ligne droite. Gwangju, c'est maintenant dans quelques semaines. Donc j'essaie juste de faire en sorte que mon corps soit prêt pour la compétition, prêt à effectuer un décathlon complet, ce qui sera très dur. On essaie de monter en intensité à l'entraînement en s'assurant que je récupère bien chaque jour. Le centre d'entraînement de Deinze est un endroit particulier pour Thomas van der Platsen puisqu'il lui permet de préparer au mieux les prochaines Universiades. Épaulé par son frère Michael, ancien décathloneur, Thomas s'entraîne deux fois par jour pour être au top. Malgré des hauts et des bas, le Belge continue de progresser. Il veut être meilleur qu'avant. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel. On prend les choses étape après étape, mais c'est dur de prévoir où on en sera dans 6 mois.
En début d'année, Thomas est allé faire un tour en Afrique du Sud où il a pu se reconstruire physiquement et psychologiquement pour retrouver toutes ses sensations. Depuis plusieurs années, Thomas vient s'entraîner dans ce pays où il se sent dans les meilleures conditions. Après des mois de soins médicaux, les débuts furent compliqués, mais les progrès sont visibles. On a commencé en janvier assez rapidement après la chimiothérapie. Au début, la partie physique a été très difficile. En course, par exemple, après un 400 mètres, il était épuisé. Dès qu'il a commencé un entraînement intensif, il a commencé à connaître des journées de petite forme. Je me souviens qu'il avait des vrais coups de moins bien. Dans ces moments-là, il faut juste être avec lui et lui dire que c'est normal, qu'il a été gravement malade. C'était une réaction attendue. Dans ces cas-là, je lui dis d'arrêter l'entraînement pour laisser à son corps le temps de s'adapter et que ça va passer. Je voulais avancer, j'avais dans l'idée de me préparer pour les Universiades, d'avancer semaine après semaine. Mais au bout de deux mois, j'avais l'impression que ça me menait nulle part. C'était une période très frustrante. Et depuis quelques semaines seulement, je peux dire que c'est derrière moi. L'entraînement est redevenu quelque chose d'agréable. Le 3 septembre 2014, Thomas a vécu un véritable séisme. Comme souvent, le Belge passe un contrôle antidopage. À l'époque, il se prépare tranquillement pour un objectif bien précis, les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Mais trois semaines plus tard, tout est soudain totalement remis en question. Je suis revenu à la maison après l'entraînement et j'ai vu une lettre sur la table qui disait que j'avais été testé positif à la HCG, ce qui m'a totalement pris de court, parce que je n'avais aucune idée d'où ça pouvait venir. J'étais complètement sous le choc. Et j'étais triste parce que ça a complètement changé ma vie. Thomas n'en croit pas ses yeux. Comment l'hormone chorionique et gonadotrope, d'ordinaire produit au cours de la grossesse, a-t-elle bien pu se trouver dans son corps? Aidé par sa famille, il se bat pour prouver son innocence. Le jeune homme ne s'est jamais dopé, mais le mystère reste entier. Il a tout de suite su qu'il y avait un problème. On a fait des recherches sur Internet pour trouver plus d'informations sur l'hormone, cette hormone à cause de laquelle il avait été contrôlé positif. On a rapidement conclu que c'était une sorte de cancer, car on savait qu'il n'avait rien pris. Donc la deuxième option était la bonne. On a appelé son médecin et le jour d'après, on a constaté qu'il était effectivement malade. Les médias locaux s'emparent alors de l'affaire et Thomas se retrouve rapidement en une des journaux. 24 heures plus tard, le diagnostic tombe. Thomas a développé un cancer des testicules. Thomas n'avait jamais été contrôlé positif avant cela. Il n'y avait pas d'analyse anormale, donc on aurait dû lui laisser le bénéfice du doute. En tant qu'athlète, c'est évidemment pas le genre de choses qu'on aimerait connaître. D'une certaine manière, j'ai eu de la chance parce que j'ai été blanchi assez rapidement pour des raisons médicales. C'est très dur parce que vous mettez des années à construire quelque chose, à vous forger une réputation d'honnêteté. J'ai toujours été transparent avec tout le monde. Je suis un athlète qui a toujours travaillé très dur pour avoir cette réputation. Et tout d'un coup, tout ça est réduit à néant à cause d'un seul article sur le dopage. C'est le genre de choses qu'on n'imagine pas en tant qu'athlète. Alors que la maladie continue de se développer, Thomas participe au championnat d'Europe où il prend la 10e place après avoir remporté l'épreuve du saut en hauteur. En parallèle, il continue les soins intensifs et la chimiothérapie. Thomas mène alors le combat de sa vie avec force et courage. C'était l'un des meilleurs athlètes au monde. Et quelques mois plus tard, il perdait beaucoup de poids et il perdait ses cheveux aussi. Il était malade et ça empirait. C'était vraiment dur. En 2014, Thomas est alors au sommet de son art. Il décroche le bronze lors de la Coupe du Monde Indoor à Sopot, en Pologne, où il bat le record de Belgique. Le meilleur athlète du plat pays refuse de laisser le cancer envahir sa vie. Avec une détermination sans faille, Thomas est persuadé qu'il sera bientôt de retour au plus haut niveau. Au départ, c'est très difficile à gérer.
Je pense que j'ai réagi assez rapidement. J'ai compris qu'il fallait que j'investisse toute mon énergie pour retrouver ma santé. Ensuite, je suis sûr que je vais revenir à mon niveau et que je pourrai à nouveau rêver de remporter des médailles. 9 juillet 2013, 27e Universiade d'été à Kazan. Après une sérieuse blessure, Thomas van der Platzen remporte l'or en décathlon avec un total de 8164 points. Il devance alors le russe Sergei Sviridov et le néo-zélandais Brent Nedwick. Et pourtant, les conditions étaient loin d'être idéales. Ça n'était pas une compétition facile, les circonstances n'étaient pas idéales. Donc j'ai été très heureux de m'en sortir et de décrocher cette victoire après m'être battu pendant plus d'un an contre les blessures. Si Thomas a choisi le décathlon, c'est parce qu'il aime les défis et parce que la discipline lui apporte également beaucoup dans sa vie quotidienne. Vainqueur des championnats d'Europe des moins de 23 ans en 2011, le Belge a géré 2 jours de compétition sans commettre le moindre faux pas. Une adrénaline qui le transporte à chaque fois. J'adore le stress, la tension, la motivation de la performance. C'est un environnement qui me motive. Quelque chose qui m'a servi dans le passé et qui, j'espère, continuera à me servir à l'avenir. Thomas sait déjà comment s'adapter aux conditions difficiles et au climat chaud et humide de Guangzhou. Et pour défendre son titre, il ne laisse aucun détail au hasard. Avec un record personnel de 8255 points, il espère bien être capable de réaliser une belle performance et s'est déjà fixé un objectif bien précis. J'adorerais faire un score de plus de 8000 points en décathlon. C'est un objectif assez ambitieux. 6 mois après avoir subi un traitement contre le cancer, atteindre les 8000 points, c'est quelque chose qui me motive à nouveau. Restez bien avec nous, dans la deuxième partie de ce campus, vous retrouverez Yang Akseon, champion de saut de cheval, Sergei Lebid, spécialiste de cross-country, ainsi que Sandor Taric et Nawal El Moutawakel. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values. Excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. À 22 ans, Yang Akseon s'apprête à défendre son titre en saut de cheval. En attendant d'en découdre, le gymnaste sud-coréen règle les derniers détails au centre d'entraînement national. Champion olympique en 2012, Yang espère bien être au top de sa forme le jour J. Je veux vraiment atteindre mon objectif, qui est de remporter une nouvelle médaille d'or consécutive dans ma discipline. Et puis, j'espère aussi que tous les autres athlètes coréens réaliseront aussi de bonnes performances. Né en 1992 à Gwangju, Yang Akseon a toujours soutenu sa famille grâce à la bourse qu'il recevait de la Fédération coréenne de gymnastique. Malgré ses difficultés financières, le jeune homme ne renie pas ses origines, bien au contraire. Je n'ai jamais ressenti de honte pour ma famille parce qu'elle était pauvre et qu'elle n'avait pas d'argent. J'ai commencé la gymnastique parce qu'au départ, j'adorais ce sport. Ensuite, bien sûr, parce que ça ne nécessitait pas un gros investissement financier. Donc je n'ai jamais eu de problème à accepter la situation de pauvreté de ma famille. Devenir un champion n'est pas inné, c'est pourquoi Yang Akseon a toujours fait son maximum pour faire partie des meilleurs. Champion du monde à Tokyo en 2011, sa détermination est sans limite.
Ma situation personnelle, la pauvreté, n'avait aucune incidence sur mes performances ou sur les autres aspects de ma vie. Mes parents continuaient à m'encourager. Mais je ne me sentais pas l'obligation de décrocher une médaille d'or parce que ma famille était pauvre. J'ai pu réussir parce que je travaillais les exercices que m'enseignait mon ancien entraîneur. Ensuite, j'ai senti que j'étais capable de maîtriser ces exercices. Mon ancien entraîneur m'avait aussi dit que je pouvais remporter une grande compétition internationale. Après son titre mondial, le gymnaste n'a pas faibli et l'année suivante à Londres, il est devenu le premier Sud-Coréen à décrocher l'or olympique. Une reconnaissance professionnelle, mais qui a eu bien d'autres répercussions. Beaucoup de gens m'ont aidé après ça. Par exemple, la maison où vivent actuellement mes parents a été construite par ces personnes généreuses. J'ai également reçu comme cadeau un appartement à la campagne. Et avec toutes ces contributions, les conditions de vie de mes parents se sont beaucoup améliorées. Donc j'ai pu les aider à améliorer leur vie grâce à mes résultats lors des derniers Jeux Olympiques d'été. Après ses exploits, c'est presque tout naturellement que le gymnaste décroche un nouveau titre lors des Universiades de Kazan. Un nouveau titre décroché grâce à un saut extrêmement difficile et créé par ses soins qui lui avaient déjà porté chance les années précédentes. Ce n'est pas une nouvelle technique, je l'avais déjà présentée à Londres, c'est la technique Yang 1, également appelée Yang Axeon. C'est une figure que j'ai utilisée dans 3 compétitions internationales. Et à Kazan, elle m'a permis d'obtenir un super résultat. Loin de s'arrêter en si bon chemin, le champion du monde de 2013 travaille déjà sur un nouveau saut qu'il devrait appeler le Yang 2, une figure inédite qui lui assurera peut-être un succès à domicile cet été. Gwangju, c'est ma ville, là où j'ai toujours vécu. Donc c'est sûr que j'ai envie de remporter une médaille d'or devant mon public et surtout mes parents. Ils ne m'ont pas beaucoup vu parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions internationales en Corée du Sud. Pour la première fois, mes parents sont venus me voir dans une compétition internationale aux Jeux Asiatiques l'année dernière. Mais malheureusement, je n'ai pas pu leur offrir une médaille d'or, je le regrette beaucoup. Donc les Universiades comptent énormément pour moi. C'est l'occasion d'offrir finalement à mes parents et à ma famille la médaille d'or espérée. Et pour y arriver, je m'entraîne très dur. La Corée du Sud a accueilli ses dernières universiades d'été en 2003 à Daegu. Cette année-là, un homme s'était particulièrement illustré en remportant son 3e titre d'affilée sur 5000 mètres. L'Ukrainien Sergueï Lebide, 9 fois champion d'Europe de cross-country, devient alors le 4e homme de l'histoire à réaliser cette performance. Avant lui, seuls Itzvan Bagyula, Igor Ter Ovanessian et Sepp Zeilbauer avaient réussi un tel exploit. Sergueï Lebide n'est pas un spécialiste des stades et préfère les courses en plein air. Mais en 1999, il a remporté le 5000 mètres des Universiades de Palma de Majorque avec un chrono de 13 minutes, 37 secondes et 52 centièmes. Un record qui tient toujours aujourd'hui. Après les Jeux de Sydney décevants où il n'avait pris que la 7e place, Sergueï Lebide est arrivé aux Universiades d'été de Pékin remonté comme un coucou. Une motivation payante qui lui a valu une médaille d'or après une incroyable accélération dans le dernier tour. À Daegu en 2003, Lebide récidive et s'impose devant l'Allemand Jan Fitschen et le Marocain Hicham Bellani. À 28 ans, l'étudiant ukrainien vient alors de vivre ses dernières Universiades. Avec un tel palmarès, Sergueï Lebide vient également de marquer l'histoire du sport universitaire. C'est avec un plaisir non dissimulé que Campus a retrouvé l'un des champions universitaires les plus âgés encore en vie. À 101 printemps, Sandor Taric se souvient parfaitement de ses premières compétitions. I played four. J'en ai disputé 4.
En 1933, à Turin, en Italie. En 1935, à Paris. En 1937, à Budapest. Et en 1939, à Vienne. Et à chaque fois, j'ai remporté la médaille d'or. Une pratique du sport qui l'a également aidé dans le monde professionnel. Ça m'a beaucoup aidé, parce que être un athlète m'a appris qu'on ne pouvait pas gagner tout le temps. Parfois, on perd. Mais ça m'a aussi appris que plus on s'entraîne, plus on s'améliore. C'est comme ça qu'on progresse, à coups de victoires et de défaites, jusqu'à ce que les victoires succèdent aux victoires. On apprend que le chemin du succès est fait de beaucoup d'échecs. En affaires, c'est très important, parce qu'on ne peut pas remporter tous les contrats. Parfois, on en perd, on est battu. Mais il ne faut pas abandonner pour autant. Ça vous apprend à persévérer pour atteindre finalement le succès. Ça n'a pas seulement influencé ma vie, c'est devenu ma vie à l'époque. Tout ce que j'ai gagné en tant qu'athlète, c'était lors de mes années de formation. Et du coup, c'est devenu une habitude pour moi. Utiliser mon intelligence dans chaque situation et avoir conscience de ce que je voulais réaliser. Au waterpolo, c'était gagner. Et dans les affaires, c'était au quotidien de subvenir aux besoins de ma famille et de moi-même. Restez bien avec nous pour la troisième partie de ce campus. Encore du beau monde avec au programme Nawal El-Moutawakel, vice-présidente du comité olympique et l'une des femmes les plus respectées dans le monde sportif. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values. Excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Lausanne, en Suisse, le Comité international olympique réunit son comité exécutif. Première vice-présidente de l'institution, Nawal El-Moutawakel. La Marocaine est devenue l'une des dirigeantes sportives les plus respectées de la planète grâce à ses carrières sportives et universitaires. C'est clair que c'était fondamental. Moi, sans ce passage universitaire, je ne serais jamais ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est clair. Nawal naît à la gloire sportive en 1984, lorsqu'elle devient, sur 400 mètres haies, la première femme africaine, arabe et musulmane championne olympique. Sa victoire tient à un choix décisif. La Marocaine a rejoint l'université de l'Iowa aux États-Unis pour combler le manque de niveau sportif au pays. Je pouvais gagner à tout moment parce que je me trouvais toute seule sur le 400 mètres haies, qui était à l'époque une nouvelle épreuve pour femmes. On se trouvait 2, 3, 4 athlètes à courir le 400 mètres haies. Et comme je savais que j'allais gagner, je trottinais jusqu'à la ligne d'arrivée. Arrivé aux États-Unis, c'était des milliers qui couraient mieux que moi ou aussi bien que moi. Et donc, il fallait être compétitive, il fallait lutter à chaque fois, il fallait courir jusqu'à l'épuisement pour arracher la première place. Nawal découvre aux États-Unis un pays, une langue, une culture nouvelle pour elle. Et surtout le monde de l'excellence et du dépassement de soi qui vont former sa personnalité. Une personnalité mise à rude épreuve d'entrée par un drame personnel. Je perds mon père une semaine après, quand j'arrive aux États-Unis. J'apprends ça plusieurs semaines plus tard parce qu'on me l'avait caché. Et parce que justement, on ne voulait pas que je baisse les bras, que ce rêve de devenir un jour championne olympique puisse s'évaporer. Donc on a tenu ça au secret. À quelques semaines des Jeux, Nawal n'a pas le choix. Soit ses rêves s'évanouissent, soit elle prend en main son destin à 21 ans et en mémoire de son père. J'ai décidé de rester ici au moins 4 ans.
Je crois que si je devais rentrer à la maison, je ferais une grosse erreur. Tout ceci a créé un électrochoc dans ma tête et j'ai dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Parfois, on peut baisser les bras, mais souvent, on arrive à exceller à ce niveau-là parce que le quotient d'intelligence travaille de manière à vous préparer psychiquement, psychologiquement et physiquement pour continuer à aller de l'avant. Malgré la perte de son père et les problèmes d'adaptation, dont le froid nouveau pour elle, Nawal sait que l'Amérique lui offre aussi un cursus universitaire inattendu qui peut transformer sa vie. Il fallait exceller en athlétisme, qui était la compétition, mais il fallait aussi exceller au niveau des notes pour pouvoir mériter la bourse. Et donc mon effort était double, parce que non seulement il fallait d'abord maîtriser l'anglais, mais ensuite travailler en traduisant à chaque fois dans ma tête ce que je voulais pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir mériter le fait d'être parmi l'équipe d'athlétisme. Il n'y avait pas l'internet, les tablettes et tout ça à l'époque, donc on était toujours avec un cartable rempli de documents, de travail, parce que les distances là-bas sont énormes. Donc on était tout le temps penchés dans nos livres, on avait toujours les liseuses dans les autocars avec nos highlighters. Et parce qu'arrivé dimanche, quelle que soit l'heure à laquelle on arrive, le lendemain, les examens commençaient et on ne pouvait pas dire au professeur « Excusez-nous, on était dans une compétition. » S'élever, être au niveau académique pour rester dans l'université, tel est l'enjeu pour Nawal, car sportivement, la championne fait référence, devenant même la capitaine des Cyclones, l'équipe d'athlétisme du campus, l'une des meilleures des États-Unis. On m'appelait souvent le Sirocco du Maroc. Parce que quand je passais, je rasais tout, le 100, 200, 400, le 4x100, toutes les épreuves. Et donc on disait, oh là là, la Marocaine qui arrive encore. Déjà, elles étaient déjà perdantes avant même de concourir. Et il y avait un esprit de solidarité extraordinaire et exemplaire. Et on parlait le même langage, on avait le même esprit, le même but, le même objectif, qui était de gagner à chaque fois le titre de NCAA. Plusieurs fois titrée aux États-Unis, championne universitaire, la référence du sport américain, Nawal El-Moutawakel participe fort logiquement aux Universiades qu'elle découvre à Kobe au Japon en 1985, avant d'y gagner 2 ans plus tard son second titre planétaire à Zagreb sur 400 mètres haies, évidemment. C'était pour nous une fête de pouvoir se retrouver entre universitaires et de voir comment chacune et chacun a évolué dans le bon sens, intellectuellement et à tous les niveaux. Pour moi, c'était un rendez-vous incontournable de pouvoir à chaque fois représenter d'abord mon pays et quelque part mon université indirectement américaine. En regardant les photos aujourd'hui dans les albums, je me dis, tiens, mais c'était quand même sympa, hein. C'était la belle époque. Nawal va pourtant mettre un terme à sa carrière suite à un drame terrible qui a secoué toute l'université, la laissant une nouvelle fois seule et abattue, la disparition de ses coéquipières. C'était un véritable drame. J'aurais pu y aller en tant que capitaine d'équipe, je n'étais pas appelée cette fois-ci. Et on me réveille un soir, en mois de novembre, et j'apprends la mauvaise nouvelle. Un avion qui vient de faire un crash, et c'est toute l'équipe de l'université qui est décédée. J'ai décidé, j'ai dit j'arrête. J'étais quand même entourée des personnes qui m'étaient le plus cher. Mon père, mes entraîneurs, l'équipe américaine. Tout le monde disparaît. Miraculée ou chanceuse, c'est au choix, mais le destin veille. Le président de la FISU de l'époque lui ouvre les portes des instances sportives internationales. Au début des années 90, avec le congrès olympique à Paris, le fait d'avoir un quota particulier, spécial pour les femmes dans les instances internationales, m'avait ouvert un petit espoir. Accompagné par Primo Nebbiolo, par Lamine Diack et Samaranch aussi, il ne faut pas l'oublier, m'ont introduit à ce monde qui était tout à fait nouveau pour moi et que je devais découvrir. Pionnière du sport africain, Nawal incarne rapidement la Marocaine moderne, sportive et cultivée, figure d'un mouvement d'émancipation de la femme par le sport qui l'amènera jusqu'à un poste dans le gouvernement de son pays. Quelque part, je sens une fierté énorme parce que j'ai participé à pousser cette porte, peut-être qui était un peu fermée dans la tête de certaines personnes pour faire comprendre que
Il y a des femmes musulmanes, arabes et africaines qui pouvaient aussi trouver leur place à l'international. Membre de la Fédération internationale d'athlétisme en 1995, puis membre du CIO en 1998, Nawal franchit toutes les étapes de la gouvernance du sport mondial avec la même habileté que sur la piste, grâce au levier du monde universitaire. L'éducation est importante. Et le cursus universitaire est encore plus important. Et je pense que c'est un bagage qui est une arme redoutable pour se forger le chemin, le parcours, la carrière qu'on se veut. Sportif aujourd'hui et leader demain, Nawal El Moutawakel en est l'illustration parfaite. Star aujourd'hui, leader demain. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders.